tout de suite, ils sont là avec nous, les mauvaises langues. Sur la misère, sur une terre coupée en deux, autour d'un verre, penser à ceux grâce à qui on fait des affaires. Vous avez les yeux sur quelques guerres, assis c'est pas malheureux. Mais dis-moi, qu'est-ce qu'ils font, bon Dieu, que font les affaires étrangères? Alors bien sûr on s'émeut, faut dire qu'on est mal à l'aise. Alors bien sûr on s'émeut entre 13. Alors bien sûr on s'émeut, faut dire qu'on est mal à l'aise. Alors bien sûr on s'émeut entre 13 et 13h42. Vous avez les yeux sur les rivières, y verser une larme ou deux. Une pensée plus tard pour ceux qui voudraient encore prendre l'air. Posez les yeux sur ma bière, 13h43, je vais mieux. Aujourd'hui, pour moi, l'enjeu, c'est de payer mon dernier tiers. Alors bien sûr, on s'émeut, faut dire qu'on est mal à l'aise. Alors bien sûr, on s'émeut entre 13. Alors bien sûr, on s'émeut, faut dire qu'on est mal à l'aise. Alors bien sûr on s'émeut entre 13 et 13h42. Vous avez les yeux sur la misère, sur une terre coupée en deux. Autour d'un verre, penser à ceux grâce à qui on fait des affaires. Poser les yeux sur quelques gares, assis c'est pas malheureux. Mais dis-moi, qu'est-ce qu'ils font, bon Dieu, que font les affaires étrangères? Alors bien sûr on s'émeut, faut dire qu'on est mal à l'aise. Alors bien sûr on s'émeut entre 13. Alors bien sûr on s'émeut, faut dire qu'on est mal à l'aise. Alors bien sûr on s'émeut entre 13 et 13h42. Posez les yeux sur quelques gars, posez les yeux sur les rivières, posez les yeux sur ma bière, posez les yeux, posez les yeux, posez les yeux, posez les yeux. Merci, bonsoir. Bravo. Alors, voilà, nous rejoignent Philippe et Benjamin. Salut. Bonsoir. Tu sais que t'as vraiment une tête de Benjamin. C'est vrai. C'est vrai, mais t'es un vrai Benjamin ou pas? Si, si, non, c'est un nom de scène en fait. Mais ben, écoute, c'est parfait. La petite cravate et le petit polo, j'adore, c'est super. Pourquoi mauvaise langue? Je trouve que t'avais plutôt des bonnes langues, moi. Ouais, bon, ça vient d'une chanson en fait. À l'époque où on cherchait un nom de groupe, il y avait une chanson qui existait qui s'appelait Les mauvaises langues, sur l'idée de boire un café, de boire une bière et de très vite dire du mal des autres. On a trouvé que ça sonnait, on l'a gardé comme nom de groupe. Radio Cancan. Eh oui. Alors, ça se fait beaucoup dans les bistrots, hein, un petit peu. Quand même. Ouais, c'est vrai. Puis je pense que c'est un truc qu'on a un peu, voilà, tous en commun dans les bistrots. Très vite, les gens se mettent à dire du mal des autres. Oui, oui, c'est même un sport national. Arnaud, je comprends que tu les aimes parce qu'il y a une vraie cohésion. Il y a une musicalité incroyable. C'est des vraies chansons.
C'est ouais, des chansons textes. Avec une mélodie. Ouais. Il y a vraiment des histoires. Et je ne sais pas du tout si vous êtes d'accord avec ça, mais je l'ai lu dans une de vos interviews, vous êtes toujours d'accord, c'est que quand on vous demandait de vous placer, vous disiez, ben, dans la chanson, ça me plaît bien. Finalement, ce qu'on fait, c'est de la musique variée, de la variété. Oui, je pense qu'on fait d'abord de la chanson. Alors après, c'est vrai qu'on est un peu à la croisée entre toute la culture chanson française. Et on a tous chacun aussi une culture très anglo-saxonne. Donc voilà, on se trouve un peu à la croisée. Non, surtout ceux du Nord, parce qu'ils sont tout près de l'Angleterre. Alors oui, on n'est pas loin. On est, on est aux confins. Mais je dois dire que sur le troisième album, donc celui qui vient de sortir, qui est là, c'est encore plus rock. Donc les guitares sont un peu plus saturées. Les guitares sont beaucoup plus, électriques. Benjamin a enlevé sa cravate un petit peu de temps en temps pour... Non mais c'est vrai, ça cogne un peu plus. Ça m'a fait plaisir, moi. Oui, c'est vrai moi, un vieux fils du métal comme moi, petit, ça m'a fait plaisir. C'était pas forcément... C'est oui, mais vous disiez surtout qu'il retraduisait très bien l'osmose et la force que vous aviez sur scène, qu'on vous reprochait ne pas retrouver forcément dans les disques précédents. Ouais, ça, c'est c'était réussi. Une difficulté, en fait. C'est vrai que c'est très difficile entre la scène et le studio, dans le studio, de retrouver la même énergie qu'il y a sur mais scène. Mais là, c'est réussi et vous allez nous prouver encore une fois combien c'est bien d'acheter cet album, puisque c'est réussi. On vous écoute encore. Allez-y. S'il vous plaît, les mauvaises langues. Dites-moi comment faire pour les chansons d'amour. Quelque chose à écrire sans je t'aime mon amour, qui rime avec toujours sur la plage à mourir. Mais l'amour c'est plus facile, facile à faire qu'à dire. L'amour c'est plus facile, facile à faire qu'à dire. Se taire et puis jouir. J'ai appris tout Baudelaire, chanter l'hymne à l'amour, eu l'écume des jours, mais toujours rien à faire. C'est comme si le bonheur ça rendait imbécile avec des mots du style Together Forever. Mais l'amour c'est plus facile, facile à faire qu'à dire. Mais l'amour c'est plus facile, facile à faire qu'à dire. Se taire et puis jouir. Des jambes en l'air et pas de paroles en l'air. Moi de préliminaire, faut qu'on passe au dessert. Je ne sais pas le dire, donc j'essaie le poème. Quant à la rime en M, oui, je veux te l'écrire. Le faire et puis rougir. Facile à faire qu'à dire. Mais l'amour c'est plus facile, facile à faire qu'à dire.
les mauvaises langues, on les retrouve en concert le 19 octobre à la Péniche, Elle à la Maine à Paris. Et le 21 octobre à Hélincourt dans le 59. Tout à l'heure, on retrouvera Arnaud qui viendra nous rejoindre.